Pat, je viens de prévenir le futur. Spécialement pour te prévenir, tu vas rater les 30 ans de retour vers le futur, mec. Ah bah merci, futur moi, mais c'est quand exactement? Ah bah le 21 octobre 2015. Le 21 octobre, mais on est le 6 novembre, futur moi. Ah oui, non, tout à fait, voilà, je voulais juste te prévenir que t'allais le rater, quoi, voilà, c'est tout. D'accord, bah écoute, qu'est-ce que je dis dans ces cas-là? Enfin, merci, enfin, je sais pas. Allez, au revoir! Dis donc, viens un peu une seconde. Oui. Est-ce que j'aurai le même style dans 10 ans? Enfin, je... Ah oui, tout à fait. Ah bien sûr, tu vas être un gars toute ta vie, désolé de te l'apprendre. Voilà, allez, au revoir. Il est jamais trop tard, quelque part, pour engager une saga du genre, hein. Mais gars, le premier, il est nul, tout le monde le sait, mec! T'es qu'un noob! Comment j'aurais pu savoir que dans le premier volet, ils allaient pas dans le futur, les mecs? Merde, ils avaient déjà appelé leur film Retour vers le passé, voilà. On dit bonjour Marty McFly. Il porte bien son nom, le Ringos. On respecte ses camarades, c'est important, petit loup. Regarde-toi par exemple, tu es petit et moche, et pourtant on le respecte. Allez, présente tes doigts comme ça maintenant. Et voilà la vôtre, McFly, ça fait la quatrième en 5 jours. Vous auriez intérêt à changer de comportement, McFly, vous êtes un tocard. Monsieur Marco, qu'est-ce que je vous ai déjà dit sur les piercings? Il m'a parlé, monsieur propre. Toujours les assortir, demain tu en mets un là, d'accord? Allez, va au cours, dis donc. Oh, je vais finir par me faire pointer, moi, ici. Je te missionne demain. Et quand je fais ça, tu sens que je pue un peu ou pas? Fait un peu. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. T'es sérieuse ou quoi? Je suis en train de choper de la gare. Pas pire de véhicule, monsieur. Mais sur le capot, j'aime bien écarter qu'on puisse fouiller notre S. C'est quoi votre nom, monsieur? Votre nom, monsieur? McFly? Pas pour une sterte ou quoi? Prépare tes genoux parce que tu vas souvent être à quatre pattes, hein. Tu vas être la star de la cellule, je peux te le dire. On suit donc un jeune homme avec un prénom assez atypique, hein. Ouais, moi c'est Marty, mais tu peux m'appeler McFly. Hein. Qui habite en fait dans une petite maison tout à fait tranquille au sein d'une famille de cassos. Une fois de plus, on mangera ce gâteau sans Oncle Joe. Il n'a pas eu sa liberté conditionnelle. Entouré également d'un vieux bricoleur chelou qui fait office de seul et unique ami. Je n'ai aucun ami, c'est vrai, mais Doc compte pour 10. Allô, SOS Amitié? Oui, bonjour, c'est McFly. Ah mais qu'est-ce que je fais ici? Marty, c'est toi, putain, je crois que j'ai encore abusé sur le shit, merde. Eh bien, ce jeune homme va se retrouver donc dans le passé grâce à une voiture à remonter le temps à l'issue d'une course-poursuite avec des terroristes libyens. Voilà, est-ce qu'on est certain du pitch? Parce que là, je suis pas confiant, hein. En fait, le problème, mis à part le fait qu'on est absolument pas dans le futur... Je me désabonne, gros naze. Je n'ai absolument pas dosé, donc je vais continuer comme ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il tombe nez à nez avec son père, mec. Mais c'est McFly! C'est à toi que je parle, t'es sourd, McFlan, espèce de crème anglaise? C'est à toi que je parle, t'es sourd, Macintosh, espèce de disque dur? Malheureusement pour lui, son père représente à lui tout seul le souillage incarné. Souillage, souillum, souillum en latin. Allô? Y'a personne au bout du fil? Allez, arrête! Je n'ai pas, on va! Non, mais mets-toi à sa place une seconde, je veux dire. Imagine, tu reviens dans le passé et tu te rends compte que ton père c'était un lèche-car. Excusez-moi, madame, je ne vois pas bien le tableau. Est-ce que je pourrais me rapprocher devant votre bureau si c'est possible? Pas le tringle. Pardon, je suis attendu, excusez-moi. J'arrive, madame. Tu me dégoûtes, papa, merde. Eh hey, bif, t'as vu ce Gugus, il se trimballe avec sa bouée. Scouillon à la truite de se noyer. T'as raison, j'avais pas vu. C'est le gros malaise, hein, c'est très très gênant. Père d'une merde, fuck! Chier, putain, merde! Or, je pensais être au bout de mes surprises, mais le pire est à venir, les amis, lorsqu'il va sauver son père d'un accident de voiture. Oh, c'est pas vrai, papa est un voyeur. Tu verras, mon fils, un jour tu comprendras. En tout cas, ta mère est vraiment bonne. Tu valides ou pas? Je l'avais validé. Où est mon pantalon? Vous savez, Pierre, c'est le premier slip move que je vois. Okay. Ça m'excite beaucoup, je vous le confesse. Avec ces petites boules apparentes, là. Pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? Pierre Cardin, c'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Ah. Wow, ouais, attendez, qu'est-ce que c'est que cette logique de merde? Regarde-toi, par exemple, t'es sapé comme une merde, c'est pas pour autant que t'en aies une, tu comprends? En l'occurrence, là, je ne porte rien. Oh, God. Adieu, Doc. Oh, Marty! Vos petites boules! Alors évidemment, elle le sait pas, mais c'est son fils, bordel de cul! Il fallait qu'elle jette son dévolu sur sa descendance, la meuf! Peut-être on devrait le garder ici ce soir? Je crois qu'il vaudrait mieux que vous passiez la nuit ici. Mais peut-être que j'ai pas envie de me faire ma propre mère après tout, hein? Il n'aura qu'à dormir dans ma chambre. Je l'avais validé. Non mais il faut dire que croiser sa mère et son père en 10 minutes de temps, bah, c'est quand même un fâcheux hasard. Il finit d'ailleurs par retrouver le Doc qui habite à deux pas de là, quoi. À croire qu'ils habitent dans le village de Oui Oui, les mecs. Oui, vas-y, oui, oui! Générer
récupérer les 2,21 gigawatts d'électricité. Qu'est-ce que j'ai dit là? Mais qu'est-ce que j'ai dit là? Mais on comprend rien, rebobine jamais. Mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts? 2,21 gigawatts? 2,21 gigawatts? 2,21. Bon, il explique la situation au doc, et le problème, c'est qu'il doit faire en sorte que son père finisse par s'enrouler avec sa mère, parce que vu comme c'est parti, il va se faire sa propre mère. Je voudrais vous présenter mon vieil ami, George McFly. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Comment va votre tête? Bon, ça va. Bon, ben, apparemment, c'est râpé, visiblement. Tout se passe comme si ta mère avait jeté son dévolu sur toi et non sur ton père. Que j'aurais un ticket avec ma mère? C'est mathématique. Ta mère veut ton boule, petit. Désolé. Désolé. Oh, dur, c'est pas le pied. Du coup, comme il est pas chaud de sortir avec sa mère, bah, il met en place un plan pour faire en sorte que sa mère repose à nouveau les yeux sur le boule de son papa. À 9h, tu viens faire un tour dans le parking. Tu t'avances vers nous, tu ouvres la portière et c'est là que tu dis... Hé, hey, connard, tire tes sales paluches de là ou je me fâche. Hé, hey, connard, tire tes sales paluches de là ou je me fâche. Tu veux dire que tu vas lui toucher les... Non. Ah oui, ah tout à fait. Le seul plan que le mec a trouvé, c'est un plan où il plotte sa mère. Ah bravo l'artiste, ah bravo. Enfin non, c'est pas ce que j'ai voulu faire, ah non. Ça va plus chier, quoi. Sauf que bon, le plan se passe pas tout à fait comme prévu. Il y a quelqu'un qui vient. Emmenez-le par là, j'en ai pas pour longtemps. Pas vraiment comme prévu, mais... Le résultat est là. George, tu vas te présenter comme chef de classe? En attendant, maintenant qu'il a fait son petit tour, hein, il faut qu'il retourne dans les années 85 avant de refoutre la merde. Oh, comme je suis content de te revoir. Il faut que tu repartes avec moi! Est-ce qu'il y a un moment où je vais pouvoir me la taper, ma copine, à un moment donné? Ça fait quand même 3 ans que j'arrive pas à conclure, moi, ici, d'accord? Je suis ton futur, Matt. Bah oui, bon, bah ça va, on s'est vu tout à l'heure, mais est-ce que tu comptes encore venir souvent me faire chier? Non, mais écoute-moi, le futur est vraiment bizarre. Tu m'avais déjà dit que je ne lasserais plus mes chaussures et que mon skateboard n'aurait plus de roues. C'était des conneries, Josh. Moi, c'est Matt. Enfin, toi et moi, on est... Oh, ta gueule. Bon, écoute-moi, je sais pas ce que t'as fait pour en arriver là, mais ma vie dans le futur, c'est de la merde. Oui, bon, bah chacun son temps, d'accord? Et putain, on est la même personne, merde. Dis-moi, tant que t'es là, j'ai une petite question pour toi. Tu m'as appelé? T'es pas parti dans le passé quand même? Non, pas du tout, pourquoi? C'est pas moi. T'as laissé maman tranquille. Enfin, t'es malade. De même pour papa. Enfin non, je... Enfin, tu... Pourquoi... On n'a rien fait de mal! Non, putain, non, mec! Crazy mother...